Bon, je suis venu de Tétouan pour assister à cette exposition magnifique et je trouve que c'est une grande fête. Non simplement une exposition, mais c'est une fierté pour la galerie et pour les collectionneurs de Casablanca. Je trouve que c'est une fête, non simplement une exposition. J'ai essayé d'intégrer la peinture, l'art marocain. L'art marocain est riche dans l'art populaire parce qu'on le trouve sur la céramique, sur les bijoux, sur les tapis. Et j'essayais toujours de profiter dans mes premiers tableaux d'intégrer la culture marocaine, de faire un mariage entre la culture occidentale et une culture arabo-islamique. Et ça fait magnifique. Vous voyez, actuellement, je vois dans cette exposition des choses extraordinaires qui peuvent être prises par modèle dans la future civilisation, dans les futures générations. En fait, les deux œuvres que je présente dans cette exposition sont pour moi comme des dessins directement liés à une autre œuvre qui est une installation d'une dimension architecturale parce que c'est une installation sous forme d'une fontaine, comme les fontaines des patios des maisons arabo-andalouses, qui est en ce moment exposée à la Biennale de la Havane, dans la ville de Havane au Cuba. Donc j'ai trouvé que c'était l'occasion, en même temps, de faire des dessins, des sortes d'interventions sur papier, avec la même forme, parce que je reprends exactement la même forme de cette fontaine. Expo avec un travail récent, qui s'intitule Fantôme. C'est à partir de silhouettes humaines de la vie politique au Maroc. Donc ce sont des silhouettes d'hommes politiques. Elles sont traitées avec une matière qui fait penser à la mue de serpent, par exemple. Et bon, il y a une touche comme ça, légère, mais en même temps qui renvoie à une réalité qui est la nôtre. Ce que je voulais, au fait, j'ai répondu à cette demande qui est de quand les artistes contemporains, Diel Dabba, essayent de faire quelque chose en rapport avec le Maroc, à quoi on peut penser. Et ma réflexion, c'était en disant qu'est-ce qui fait de nous, Marocains. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est notre langue, en fait, c'est avec notre derija et les expressions qu'on utilise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Maïkounba, c'est une expression que j'essaie de tourner d'une autre façon. Et qui sont, si on veut utiliser un langage savant, qui sont polysémiques, et qui a plusieurs, ça a plusieurs sens. Et j'aime bien, dans l'art en général, une œuvre intéressante parce qu'elle a plusieurs lectures possibles. Et dans les expressions d'Alija, c'est ce qui m'intéressait, et ça fait le lien avec le Moroccan Touch. Et, voilà.